Y'a pas de souci, on va sortir le M40, c'est toi et moi. 1v1 mon gars. Le challenge est très simple, on va se mettre sur Chipmunt en MME et il faut terminer la map le plus rapidement possible. Configuration de partie sur Chipmunt en MME. Et vous mettez bien évidemment la santé à 30%. Sinon vous allez jamais tuer personne. Avec ça vous mettez 9 bots ennemis. Donc voilà, vous avez mon score, c'est à vous de le battre désormais. On verra si vous avez le niveau. Ok, alors t'es comme ça toi, monsieur super connard. Tu balances des défis, tranquille, au calme. Bon bah écoute, y'a pas de souci. Moi je vais relever ton défi hein. Je suis un ouf ou pas du tout, on s'en fout. Donc je vais essayer de relever ton défi, donc de faire 50 kills en moins d'une minute 49 au fusil de sniper M40. Donc bon, c'est vrai que ça fait un moment que j'ai pas joué à Call of Duty hein, j'ai juste fait 2-3 parties ces derniers temps pour montrer un petit peu mon Modern Warfare Master. Mais c'est vrai que j'ai complètement arrêté et je suis un peu rouillé au sniper. Mais bon, d'un côté ça va être un peu l'occasion de s'y remettre. Donc bah écoute, on va faire ce fameux défi, mais avec une petite différence, moi je joue dans la cour des grands. Donc toi tu mets la vie à 30%, moi je vais la mettre à 50%. Parce que oui, à 30% c'est trop facile. Si jamais il y a 3 mecs qui sont alignés, tu tires une balle, tu les déglingues tous. S'il y a un mastodonte, tu peux aussi le déglinguer, il n'y a pas de souci. Moi non, tu vois, non, il n'y a pas de ça. Moi je la mets à 50% la vie, histoire que ça soit un peu plus compliqué, que les mastodontes, ben ça hit en deux, enfin faut les tuer en deux coups. Voilà, donc ça va être un petit peu plus compliqué. Et en plus de ça, moi je vais pas jouer à la coque. Parce que c'est pareil, la coque c'est de la triche, je suis désolé. À coque sur un sniper, non. Tu joues avec la lunette normale, c'est tout. Voilà, y a pas à chier hein. On est à l'ancienne, tranquille. Voilà, donc ça va être exactement le même défi. Mais comme je disais, j'ai la vie à 50% au lieu de 30% par rapport à Super Connard. Et je vais jouer avec la lunette standard. Allez, c'est parti. Bon, bah écoutez, 1 minute 45 secondes, j'ai envie de vous dire défi réussi, hein, puisque Super Connard avait fait 1 minute et 49 secondes. Alors c'est pas un score de ouf, je veux dire par rapport à Super Connard qui lui a fait 1 minute 49, j'ai fait seulement 4 secondes de moins que lui. Alors bon, c'est pas exceptionnel, j'ai vu en plus que sur YouTube, il y en a qui sont chauds, hein, qui font le truc en 1.20, 1.30, un truc du genre. Moi, je vais pas vous mentir, après cette game, j'ai essayé de faire d'autres parties pour voir si justement, je pouvais faire mieux. Et en effet, mon record, moi, c'est 1 minute et 36 secondes. Sauf que, voilà, Super Connard avait dit, c'est du one shot, c'est-à-dire la première partie qu'on filme, et ben on la balance sur YouTube. Pas la peine de tricher, hein. On fait pas 50 000 games et on met la meilleure sur YouTube. Non. On met la première qui passe et puis voilà. Donc moi sur cette game, j'avais tenté, enfin je me suis dit, c'est peut-être mieux de rester à un endroit et d'attendre que tous les ennemis viennent au fur et à mesure et tous les désinguer comme ça.
Sauf que bah vous avez pu remarquer que bah déjà il y a des moments où rien ne se passe. C'est-à-dire qu'il y a des fois le temps que les ennemis viennent vers nous, on perd grave du temps en fait. Donc du coup bah voilà, il y a des fois il y a des trous comme ça, on ne sait pas ce qui se passe, il y a rien qui se passe, donc il faut attendre que les ennemis arrivent. Donc au final, dans les games que j'ai testé après, ou là où j'ai fait le meilleur temps, c'est que j'ai essayé d'un peu plus aller chercher le kill. Je bougeais un peu plus, et voilà, j'ai réussi à faire un meilleur temps. En plus de ça, là sur cette game, je sais pas si vous avez fait gaffe, mais il y a des moments où je fais des switch, on sait pas pourquoi, hein, je m'y perds un peu. J'ai quand même réussi à choper un autre sniper par terre. J'étais un peu en galère, je me suis dit putain, il faut que je chope un autre sniper. Je voulais pas en fait finir avec une autre arme qu'un sniper. Et vu qu'on a au total 45 balles et qu'il faut faire 50 kills, donc forcément c'était obligé qu'on arrive avant la fin de partie à court de balles. Donc du coup j'ai eu de la chance, j'ai trouvé un autre sniper par terre, je l'ai ramassé et j'ai pu finir la game. Donc je suis quand même assez content, je suis assez content de moi parce que voilà, déjà j'ai battu Super Connor. C'est un score plutôt correct, même s'il y en a qui font beaucoup mieux et que j'ai fait aussi mieux. Mais voilà, c'est le jeu, il n'y a pas de souci, c'est le jeu. Si jamais vous avez réussi ce défi, allez-y, hein, posez-le en commentaire aussi, dites-moi, donnez-moi le lien, etc. Qu'on regarde un petit peu votre score, hein, si vous avez fait mieux que ça. Moi ça m'intéresse de voir comment un peu les stratégies que vous avez adoptées, etc. Voilà, sur ce les amis, bah écoutez, on va se laisser là-dessus. J'espère en tout cas que cette petite vidéo de réponse au défi à Super Connard vous aura plu. Et moi je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Allez, salut tout le monde, ciao ciao, bye bye.